Bonjour à tous, je suis là pour vous présenter Defiance et je vous laisse regarder la vidéo de présentation. Je vous retrouve après pour créer le personnage. Écoutez-moi bien tous! On vient de passer le Golden Gate! On arrivera dans moins de 20 minutes! Je vous en donne 10 pour sécuriser le matériel et vous préparer à l'atterrissage! Compris? Je veux que tout soit prêt dans 10 minutes! C'est très fou, c'est inacceptable! Dois-je vous rappeler qui je suis? C'est quoi ce bordel? Je me moque de votre protocole! Vous êtes là pour m'aider! Et c'est ce que vous allez faire! Compris, soldat. Quel est le problème, Von Bach? Vos hommes manquent de discipline, Capitaine Grant. Je veux récupérer mon équipement. Mes pillards chez moi partiront dès que nous aurons atterri. Le Liberté n'est pas votre jet privé. Tout est rangé. On n'a pas le temps de sortir vos affaires. Retournez à votre place, s'il vous plaît. Si je ne m'abuse, Capitaine, vous avez l'ordre de faire ce que je dis. Mes ordres viennent de mes supérieurs, des gens à Manhattan vêtus d'uniformes. Comme ça. Ils m'ont chargé de vous protéger pendant que vous cherchez votre prétendu Arkatek. Prétendu Arkatek? Ne doutez pas de moi, Capitaine. Vous voyez ça? Grâce à cette arche-mère et toute la technologie que j'ai récupérée dans la baie, je réparerai le monde. Et je serai un héros, bien sûr. Cette zone est à accès limité. Allez vous asseoir. S'il arrive malheur à mon équipement, j'enverrai la facture à vos supérieurs. Mais quel connard. Bougez-vous, les gars! L'heure tourne! Vous vous croyez où, là-dedans? Allez à vos places, tout de suite! Vous deux, venez! À vos ordres, chef. Vous aussi. Rebonjour les gens. Alors, je vous présente les personnages. Je ne connais pas trop encore ces nouveaux personnages. Alors, je regarde toutes les races qu'il y a. Humains. Et encore une humaine. Une autre race d'aliens. Ah, vous avez plusieurs classes. Sniper, guerrier. Et soigneur, on dirait. Oula, on défend beaucoup là. Moi je vais prendre cette classe là. Classe. Alors la classe. Non, je vais pas prendre cette classe là. Je pense que je vais rester à celle-là.
Et voilà, je vais prendre assaut. On va continuer. Là, on change le visage. Piercing. Piercing à la lèvre. C'est ce que je vais mettre, je pense. Couleur de peau. Je pense que je vais la prendre un peu bien bronzée. Sourcils. Les yeux. Je pense que je vais prendre les yeux blancs. J'aime trop. Cheveux. Alors là, j'aurai un peu plus de mal. Ouh, la coupe Ariana est sympa, franchement. Je kiffe bien. Pas mal cette petite coupe aussi. Celle-ci est très très moche. Bon, je regarde les couleurs pour l'instant. Mais je pense que ma coupe sera sur Rihanna. Je pense que je vais prendre cette coupe là. Elle a l'air plus jolie. Les tatouages. Les grains de beauté sur la tronche. Mais moi je vais mettre une cicatrice avec un masque de couleur de peinture. Je prends celui-là, je pense. Je le trouve bien sympa. Couleur des lèvres. Je vais pas prendre un truc trop flashy parce que j'aime pas trop. Voilà. Et on va l'appeler Nikita. Alors on va voir ce jeu, ce qu'il va donner, ce petit jeu. J'ai dit tout de suite. Minute, capitaine. Oh oui. Oui, monsieur, crâne chauve. Non, je m'attache pas. Je veux pas. Je ne vous ai pas encore parlé de votre implant égo. Casse-toi, bouffon. Qu'est-ce que c'est ? Chef, on vous demande sur le pont. Je crois finalement. Allez, va t'asseoir. Quand on aura atterri, ne bougez pas. L'activation d'égo peut être déroutante quand on n'y est pas préparé. Et c'est parti pour la descente en enfer. Capsule d'évacuation lancée.
réussi à fermer la porte à temps. Parce que je n'aurais pas pu jouer du coup. Petit chargement. Ils ne sont pas très très longs, je trouve. Wesh, la meuf, elle vient me délivrer. Oh, elle est ouf, putain, ça a le prix là. Espèce d'un litre, espèce d'illettré. C'est quoi cette meuf? Bon, sur ce, je vous laisse regarder le jeu. Et on se retrouve vers la fin du jeu. Voilà. Parce que je veux pas tout le temps commenter. Vous verrez bien par vous-même ce que je fais. Voilà. Et puis, voilà. Ah, merci beaucoup. Et puis, à plus tard. Mais il va falloir d'abord s'équiper. Van Back Industries transportait des systèmes de défense personnelle à bord de la Stratonef. J'ai indiqué sur votre carte où les retrouver. Équipez-vous et je pourrai activer le bouclier. Il va nous falloir une arme plus efficace. Je détecte le signal d'un arsenal mobile en détresse. En route. On doit récupérer l'équipement nécessaire au plus vite pour pouvoir se mettre à la recherche, M. Van Back.
D'après mes données, ces créatures sont des êtres humains, mais leur ADN a sévèrement muté. Les fusils d'assaut excellent à moyenne portée, mais conservent une bonne efficacité à longue distance. Chaque type d'arme a ses forces et ses faiblesses. Alors prenez l'habitude de permuter entre vos armes principales et secondaires en fonction des circonstances. Je détecte la présence d'explosifs. Ils pourraient nous servir. J'ai marqué leur position sur la carte.
Cette nacelle est pleine de grenades. Prenez-en une et équipez-vous. Je crois que ça se passe d'explication. Dégoupillez, lancez et déguerpissez. Maintenant que vous avez tout, on peut passer au pouvoir égaux. Commençons par le camouflage. Quand il est actif, il vous rend invisible. Utilisez ce pouvoir pour passer derrière les hologrammes et attaquer. Activez camouflage pour passer derrière les hologrammes et attaquer. Activez camouflage pour passer derrière les hologrammes et attaquer. On va maintenant essayer surcharge. Ce pouvoir accroît considérablement les dégâts que vous pouvez infliger à l'ennemi. Activez-le et tirez sur l'hologramme. Passons au pouvoir leurre. Il permet de projeter un clone virtuel de vous-même pour déstabiliser l'ennemi. Éliminez les hologrammes pendant qu'ils sont perturbés par votre réplique. Voyons maintenant le pouvoir Flash. Il vous permet de vous déplacer à très grande vitesse et accroît votre puissance au corps à corps. Activez Flash, foncez sur les hologrammes et attaquez-les au corps à corps. Et attaquer ces hologrammes au corps à corps. Bon travail. Vous devez maintenant choisir un pouvoir égo à intégrer. Est un bon compromis entre attaque et défense. C'est le choix idéal pour rester polyvalent. Je reçois un signal. Je vous le transfère. On doit aller l'aider. Quelqu'un m'entend? J'ai besoin d'aide. Je crois que les mutants organisent une attaque. Thank you.
droit sur les survivants du crash. Je peux pirater la plupart des systèmes informatiques. Accédez. Je suis sûr qu'on peut l'utiliser à notre avantage. Jetons un œil à ce réacteur. Je suis sûr qu'on peut l'utiliser à notre avantage. La matière fissile. Le réacteur devrait surcharger et rayer cette base à la carte en explosant. Mais il va falloir empêcher les mutants d'interrompre le processus. Le réacteur surchauffe. Continuez comme ça. Merci. T'as un implant égo, c'est ça? C'est incroyable. J'en avais jamais vu en action. C'est quoi? Je crois qu'on va former une sacrée équipe. Dans ce monde de dingue, les alliés sont rares et précieux. Je rejoins le site du crash. Ils doivent avoir besoin d'aide. Je suis sûre qu'on se reverra. Vierge? Les systèmes ont atteint un seuil donnant accès à de nouvelles améliorations. Vous pouvez utiliser une unité égo.